Vendredi dernier, un Britannique âgé de 58 ans s'est retrouvé paralysé après avoir fait un tour de montagne russe à Blackpool, en Angleterre. Robert Sigamore et son petit-neveu âgé de 13 ans, Harry Parlour, étaient ravis d'être les premiers assis dans le premier wagon de l'attraction à sensations fortes. Cette montagne russe, vieille de 70 ans, est connue pour ses virages et ses courbes serrées, le genre de choses que tout amateur de montagne russe apprécie. Cependant, les forces générées par les mouvements brusques et pointus ont agi sur la colonne vertébrale de Sigamore. Les effets coups de fouet ont provoqué les vertèbres cervicales de son cou de devenir enflammées, soudainement le paralysant. Il avait été préalablement diagnostiqué avec une spondylarthrite ankylosante, ce qui est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale. Nous ne savons pas pour le moment dans quel état est Sigamore. Mais un représentant du parc d'attractions a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de problèmes de ce genre auparavant et que cette attraction avait diverti près d'un demi-million de visiteurs cette année.